Salut à tous, bienvenue de nouveau dans un nouveau vlog. Alors là, aujourd'hui on est le 1er août, donc c'est la fête nationale suisse. Hier soir j'ai pu faire un petit peu la fête, légèrement bien sûr, parce que ça faut pas oublier que je suis en pleine phase de préparation. Surtout qu'on arrive sur les semaines les plus compliquées. Je suis en vacances là pendant une semaine, donc je vais pouvoir accentuer un petit peu plus mon degré d'entraînement. C'est pas le but de se crémer non plus, parce que faut pas l'oublier, dans 3 semaines il y a l'Ironman de Vichy. Donc c'est ma dernière semaine de grosse préparation, et puis après on va aller un petit peu crescendo, doucement. Les 2 dernières semaines c'est prévu de faire quasiment que de l'allure fondamentale, que de la récupération active quoi. La semaine passée j'ai eu l'occasion de me faire un massage sportif. C'est quelque chose que je vais refaire 4-5 jours avant l'Ironman de Vichy. Là, aujourd'hui, au programme, c'est une petite course à pied, et d'ailleurs, je vais devoir utiliser mes crafts, que j'utilise pas si souvent que ça. Franchement, c'est quand même une paire que j'utilise surtout en condition de course, que ça soit sur du triathlon, S, M, XL, L, n'importe quoi, sur marathon aussi, c'est ce que j'ai utilisé. Alors, c'est quand même une paire de souliers avec semelle carbone, donc elle s'use relativement vite. C'est assez important de pas trop les utiliser. Je les utilise surtout pour la compétition. Après, je sais qu'on peut assez vite se blesser avec ce genre de souliers. Donc, faut faire quand même assez attention. Là, comme je l'avais déjà montré dans des vlogs de triathlon, même peut-être Ironman, j'ai l'attache rapide exprès pour le triathlon. Là, ce qui est agréable en plus avec ces chaussures, c'est qu'il y a totalement l'aération. Là, aujourd'hui, il fait 32-33 degrés. Donc, l'aération est toujours agréable, quoi. Donc là, ça va être juste un début de semaine quand même tranquille. Alors là, c'est la semaine où je vais être le plus de moi-même. Ça va être la semaine la plus compliquée de toute ma préparation. Mais là, on va commencer gentiment aujourd'hui. On est que lundi. On va dire 7-8 km à allure fondamentale course à pied. Et puis cet après-midi, on va pouvoir aller nager un petit peu en piscine, parce qu'il y a toujours la présence de cyanobactéries dans notre lac de la Gruyère, ce qui complique la chose en termes de natation en eau libre, malheureusement. Donc c'est pas grave, on va aller en bassin de 50 mètres. Et puis voilà, on est parti! Donc pourquoi là, ce matin, ça commence assez gentiment? Pourquoi la semaine commence assez doucement alors que c'est quand même censé être la semaine la plus hard de ma préparation? Bah, pour la simple et bonne raison que hier c'était sortie longue de vélo. C'était une sortie de 120 km avec l'ascension de 2 cols, à savoir le col des Mosses et le col du Pilon. Donc ça revenait à peu près à entre 1500 et 2000 mètres de dénivelé. Donc les jambes sont quand même relativement lourdes déjà encore ce matin. Et puis là on va commencer doucement et on va repartir sur de la natation cet après-midi. Donc je vous dis, let's go! This place keeps killing our dream. Let's go, love. I'm sitting it's tired of waiting. We can leave this whole place behind. Let's go, love. I'm sitting it's tired of waiting. We can leave this whole place behind. Voilà, ma séance de course à pied est maintenant terminée. Ça se résume à 9,25 km plus ou moins, à allure de 5 minutes 13 au kilomètre. Alors c'est légèrement au-dessus de mon allure marathon. J'aurais peut-être dû lever un petit peu le pied à certains moments, mais ça se déroulait bien. Et puis clairement, même malgré la chaleur, parce que comme je disais avant, il fait plus de 30 degrés, ça c'est sûr, je trouve que ça roulait bien. Alors autant aller à cette allure-là. La semaine commence bien avec cette petite séance. Maintenant, on va... Attention les voitures.
se recharger un petit peu en termes de glucides, un petit peu, faire une petite pause tranquille, limite chaise longue, tout ce qui va avec, beaucoup d'eau parce que là faut vraiment s'hydrater avec la chaleur. Et puis après, dans un second temps, on va partir à la piscine pour cette séance de natation. Alors peut-être qu'il y aura Rémi avec, peut-être pas, je sais pas, on verra. Des potes, donc ça peut être cool aussi. Allez, je vous dis à toute. Donc j'ai jamais tellement précisé non plus, mais ça m'arrive de temps en temps de faire quelques séances de musculation au sol. Alors ça reste de la musculation basique, alors c'est quelque chose que j'estime qu'il faut pratiquer de temps à autre. Alors après, ça reste des séances relativement courtes et des séances qui se font suite à des séances faciles, entre guillemets, de triathlon, à savoir l'une des trois disciplines, quoi. Je pratique surtout suite à des séances d'allure fondamentale ou des petites sorties, des trucs pépouses, comme là, la séance de course à pied n'était pas forcément hard non plus. Donc là, je peux me permettre de faire un petit peu de musculation. Et comme je disais, ça se résume à 5-10 minutes. C'est du basique, ça reste du gainage, du pompage, des squats de temps en temps, voilà. Donc c'est vraiment hyper basique. Je privilégie évidemment la partie swim, bike, run. Ça me paraît normal. Mais c'est important de maintenir une certaine musculature quand on pratique ce genre de sport. Et puis dès que j'en ai l'occasion, comme là, ben, je le fais avec plaisir. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça juste avant une séance de natation? Je pense pas, surtout que je viens de faire des pompes et un peu de gainage, donc je pense pas que c'est forcément la meilleure des idées, mais bon, il faut bien caser ça de temps en temps, et puis dès que je le sens, je le fais. Donc là, je suis en train de rentrer de ma séance de natation, alors j'ai pas beaucoup filmé. Il y avait Rémi avec moi, donc merci à lui pour les petites images qu'on va retrouver. Donc là, c'était une séance assez courte, c'était 2 fois 1000 mètres, 100% crawl. Alors c'est vrai que moi, je travaille pas trop les autres nages. D'ailleurs, comme on peut le voir, quand je suis en piscine, je fais pas ce qu'on appelle les virages. Donc quand on passe d'un côté, d'un sens à l'autre dans le bassin, pour la simple et bonne raison que ben moi, ma spécialité, entre guillemets, si je peux dire, c'est que je suis triathlète, donc normalement je nage en eau libre, donc on n'a pas affaire à ce genre de virage, et en plus de ça je les maîtrise mais tellement pas du tout, ça m'essouffle tellement à un point que après je me concentre même plus sur ma nage, donc franchement je les fais pas. Donc là, petite journée assez tranquille niveau entraînement, c'est agréable de commencer la semaine comme ça. Demain ça va pousser un petit peu plus sur le vélo, donc ça fait plaisir de commencer comme ça la semaine, et puis on verra la suite. Donc voilà, j'ai pu vous emmener un petit peu avec moi là dans cette première journée de vacances, cette première journée d'entraînement de cette semaine qui va être relativement intensive. Maintenant, on va chiller un petit peu, se faire un bon petit plat tranquille, assez sain, et puis comme ça on sera d'attaque pour débuter la sortie vélo de demain. Alors la sortie vélo, ce sera pas une sortie longue, on verra encore par où je vais aller, mais voilà, ce soir je vais me permettre de sortir un petit moment puisqu'on est le 1er août et que c'est la fête du pays, donc voilà, je vais sortir un petit peu, faut aussi savoir profiter de ses vacances avec les potes, et puis voilà, donc je vous dis à très vite parce que je vais pouvoir profiter un peu pendant ces vacances de pouvoir vlogger un petit peu, donc ça, je me réjouis, ça va être super cool, et puis il y a quelques petits projets en tête, donc à bientôt, ciao.